Captain Deschat here. We've secured the underground route to the coordinates. Bienvenue dans cette vidéo découverte en ma compagnie et pas de compagnie supplémentaire puisqu'on peut jouer en coop et c'est un jeu que je vous conseille à trouver en boîte. Il coûte vraiment pas cher, il y a eu la réédition Games for Player, Gamer ou je sais pas, il y a une boîte qui est spécialisée dans la réédition et elle a réédité ce jeu et on peut le trouver pour vraiment pas cher, ce qui vous permettra de activer une version GWFL. Ouais, c'est bien ça. D'activer cette version en une version Steam. Donc, la version boîte vous coûtera plus moins cher et puis vous aurez l'équivalent sur Steam avec moins les DRM pourris de Microsoft qui sont absolument chiants. Steam, c'est pas mieux, mais bon, quand même un peu mieux. Donc, je vous conseille d'acheter en boîte, ça coûte toujours moins cher. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors, malheureusement. Cette édition que moi j'ai acheté en boîte avec Game for Windows Live ne vous donne qu'à la version de base sur Steam. Vous n'avez pas les DLC, il faudra encore allonger 15 euros supplémentaires pour avoir accès à deux costumes et deux histoires. Ça va, au Japon, c'est la coutume de faire payer des trucs hors de prix qui ne valent strictement rien. Hein. Tant qu'on peut raquer un, de manière infinie, ça passe. Évidemment, pour le grand public, non, pas de cinématique. Pour le grand public, les Américains c'est le pire et les Japonais c'est l'exemple. Alors qu'en réalité, ils font les mêmes magouilles. Si vous saviez tout ce qui magouille, ils sont pas mieux que les Américains. Ils font le même système. Les Français pareil, les Russes aussi. C'est partout pareil. Business is business, où que ça soit. Alors, on va commencer l'histoire. Resident Evil 4. Alors, malheureusement, je dois tout me retaper. J'avais progressé dans le jeu avec Vincent Time, on avait fini le jeu plus d'une fois, non, peut-être pas, parce que le jeu est quand même reste assez long et vu que c'est nos personnages, comment dire, sont limités dans leur déplacement, la vitesse, on peut pas rusher comme un malade tous les niveaux, ça limite très vite l'avancement. Donc on a bien évidemment accès à des petites options et des trucs aussi intéressants qui sont les archives. Donc vous en avez un classement, hein, combien de personnages vous avez tués, en combien de temps vous avez évolué, et des classements, voilà, trucs classiques. Et on a aussi des petits bonus, des dossiers que vous débloquez en finissant certains défis ou en trouvant certains objets dans des niveaux. Vous avez des histoires bonus en apprenant un peu plus sur background, ou alors des figurines, ou même des cinématiques si vous voulez revoir. Ça sert pas grand chose, mais c'est toujours bienvenu. Et on a aussi la possibilité de changer de costume de nos personnages, et ça, c'est plutôt cool. Par exemple, on pourra avoir Shiva en version guerrière. La tenue la plus sexy, évidemment, mais la plus dure aussi à obtenir. Ce qui est... On sent que les développeurs savent exactement ce que les joueurs veulent. Donc voilà, c'est difficile à obtenir parce que c'est ce que. Donc voilà, vous avez section de chapitre. On peut rejoindre une partie. Hein, quelqu'un qui joue au fin fond de Sibérie, vous pouvez le rejoindre alors que vous êtes en France ou en Amérique. C'est tout à fait possible et vous pouvez créer une partie, l'ouvrir et n'importe qui peut se connecter, se déconnecter en plein milieu. Ça va être plutôt cool. Il y a du local aussi. Mais il me semble pas qu'il y a du local sur même écran. Local avec deux PC sur le même réseau, mais pas de local écran. Bonus, donc là vous pouvez. Non, c'est pas encore ici. C'est ici, c'est paramètres spéciaux, il me semble. Voilà, costume. Donc on peut choisir des costumes, donc soit pour Chris ou Redfield. Chris ou Shiva, putain. Donc ça c'est la tenue de secrétaire qui est pas super jolie. Ça c'est la guerrière, si je me trompe pas. Attendez, ça c'est secrétaire, ça je pense que j'en. Bon, avec les ombres c'est un peu difficile, mais il y a une. Ça c'est guerrier, ça c'est sûr à 100%. Et là, l'une des deux. Et la secrétaire et l'autre, je sais plus ce que c'est du tout. Et Chris, pareil, il a droit à ses petits costumes à lui aussi. Bon, bref, donc c'est parti, nouvelle partie. Alors, c'est un jeu que je vous recommande d'essayer à la manette.
Même si on est sur PC, tentez-le à la manette, il est plus agréable de jouer à la manette. Il a vraiment été fait pour sélection. Donc voilà, comme je vous le disais, on peut jouer. Moi, je joue en local. On peut mettre non, paramètres de coopération solo, sur invitation, sans limite. Donc là, tout le monde peut rentrer sur invitation, donc seulement ceux que vous autorisez. Et là, solo, donc personne rentre normalement. Réaction tir, oui. On va corser la chose et on va autoriser à ce que notre coéquipier puisse nous faire des dégâts et nous-mêmes en faire. Donc là, si je pouvais la sauter, la cinématique, parce que j'ai déjà vu. Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alex. J'adore le premier plan qu'on a de Shiva, c'est ses fesses. Your reputation precedes you, Mr. C'est beau. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists. À noter aussi now. Que les graphismes sont au max. J'ai tout poussé à fond. À part, je sais plus comment ça s'appelle, l'anti-crénelage, qui a très très peu d'impact. Oh, des flashbacks. Ça, les Japonais, ils adorent les flashbacks. Ils en foutent partout là où ils en peuvent. Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Ouais. L'anticrénage, ça sert uniquement si on a un putain d'écran avec une putain de résolution et si on a un putain de PC aussi. Parce que ça bouffe des ressources monumentales pour pas vraiment de changement visible. You don't have to get touchy. Ouais, tu peux parler en, je sais pas, africain, non? There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Ce qui est drôle, c'est que d'après les développeurs, enfin d'après les développeurs, ce que j'ai pu entendre, c'est que Shiva était rajouté en catastrophe à la fin. À la fin du développement, parce que après avoir balancé des vidéos du jeu, les gens ont été choqués que Chris massacre des Africains à l'appel. Donc ils en ont foutu un, ils ont foutu un personnage black pour pouvoir apparemment amoindrir l'impact. Ce que je trouve qu'ils ont bien fait. Si c'est le cas, hein, après marketing, marketing. Mais ouais. Vas-y, Shiva. M. D'accord, j'appuie sur M, pas de carte.
La maniabilité est assez bizarre. Bon, forcément, je passe d'un GTA à un Resident Evil, là, forcément. Il y a une putain de différence. Ah, il s'amuse au pocholin. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Merde. Généralement, ça se fait pendant les annives. Sauf qu'on met pas une personne à l'intérieur. Alors, messieurs, que frappez-vous? Ah ouais, toi, t'es vraiment black de chez black, toi. Putain, ouais, vraiment, la maniabilité, c'est... Wouhou! Attends, avec Vincent Time, on avait un délire. On l'appelle celui-là le Pakistanais, avec sa putain de moustache, sa coiffure, ses yeux blancs exorbités, son mono-sourcil. Putain, lui, c'est le Pakistanais. Alors, les autres, ça va encore. L'autre, ça fait vachement... Je trouve que ça fait un peu asiatique. Très légèrement. Hein. Bon, il y a quoi dans ce sac? Apparemment... Ah non, ça me semble... Je pense pas qu'ils aient pu foutre un cadavre là-dedans. D'accord. Ça me semble un peu petit. J'aime bien le mec. T'as vu? Je tape sur ma main avec un bâton qui a des coups. J'ai plus de main. C'est génial. Bon, allez, hop. J'arrive, Shiva. T'es beau, Lolo. Tu le sais, ça? Tu sais que c'est putain de dangereux de t'habiller comme tu es dans une zone où t'as les mecs... D'ailleurs, il n'y a pas une seule femme. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule femme. Oh, mais Shiva, elle est folle. Hein. Elle est folle. T'as envie de se faire prendre ou quoi? Il n'y a pas une seule femme et les mecs sont tous chauds comme de la braise. C'est pas Resident Evil, en fait. On est dans... A Silent Hill. C'est quand même fort, hein. C'est des putains de Splinter Cell. Ce sont, à mon avis, ce sont tous des agents de Splinter Cell. Et nous, on doit être les méchants d'histoire. Bon, mais ça explique. Leur disparition. Allez, hop. Alors, les niveaux sont très très refermés. Mais, étant donné que... Faudrait que je repasse peut-être plus tard pour les péter. Ouais, il faut PC, il faut casser des cassettes. Des petites caisses. Ah, il y a monsieur. Avec une jalaba. Non, c'est pas une jalaba. Je sais pas comment ça s'appelle. Jalaba et couscous tagine. Sympa la déco. Non mais attends, tu t'es... J'adore les Japonais. Hein. Les militaires, c'est le bien. Et tout le reste, c'est le mal. Ah là là. Ça, c'est très très japonais aussi. Ouais. Donc je viens d'y penser, vraiment si vous pouvez acheter deux copies du jeu, parce que là il y a vraiment de quoi pouvoir s'amuser. Alors attendez, je regarde si j'ai tout pris, ouais, E, hop, équipé. Alors ça garde quand même quelques bases de Resident Evil. Les gens ont gueulé parce que apparemment c'était pas aussi bien que le 4. Quoique, après avoir vu des vidéos, le 4, le 5, à part la musculature imposante des personnages et l'environnement, l'histoire c'est toujours la même. Un méchant vient foutre le bordel et puis nous on va lui casser la gueule. Voilà, point, c'est tout. Voilà. Parce que le 4, un scénario très très con, des personnages très cons aussi. Voilà. Voilà, 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 voilà. Monsieur a aussi un scénario très con, mais à jouer à deux, c'est absolument juste. Donc moi je vous conseille. Mais vraiment, la maniabilité, c'est... Voilà, quand je vous disais qu'il faut casser des cassettes... Des cassettes... Alors je vais pas lire les documents, hein, parce que voilà, on s'en fout, on est en pleine vidéo. Il n'y a pas que ça à faire. Et non, il faut vraiment que je la change, parce que sinon... Manette, clavier, souris... Souris! Je vais voir ce que ça fait, hein. C'est hard quand même, hein.
Retour, retour, retour. Ah, c'est un petit peu trop. Juste un. Au-dessus. Ah, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Là, ça va pas... Je vais pas faire des 360 H24. Alors, attendez, je sais plus comment est-ce qu'on... Ça, c'est pour se retourner. Il faut juste que j'évite d'utiliser les balles parce que on les compte, les balles. Non, c'est pas ça. Espace été, ok. C'était. Voilà. Ok, bon, bah, c'est pas la peine de casser quoi que ce soit. Ouais. Et des. Non, ta gueule. Les descriptifs absolument palpitants. Laisse-moi deviner, Shiva, à foire les dehors. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. Ouais. Ça, j'avoue, elle a tout à fait raison. Non, y a vraiment rien. Putain, elle a vraiment tout piqué. La garce. Non, la sensibilité était étrange. Faut vraiment que je m'y refasse. Ah, il a chié du cul. Il y a une sorte de salive de bave là qui sort entre ses jambes. Je me demande bien ce que c'est. Un truc visqueux et blanc. Je saurais pas ce que c'est par hasard. En plus, il n'y a plus de tête. C'est passé des choses étranges. Allez. Ah, tiens. Des petits crânes. Des petits crânes. Toujours des petits crânes. Ah, visiblement, ils cherchent des choses à l'intérieur. Je sais pas, peut-être qu'ils font de la contrebande. Merde. C'est bien. Je m'en fous. Alors, hop, on peut laisser à notre partenaire, mais comme on est des gros bâtards, on prend tout et puis c'est tout. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Tiens, toi je te prends aussi. Oups, excuse-moi. oui, mais attends 2 secondes, Shiva, s'il te plaît. Sois pas pressé de tuer ta première personne. C'est bien. Hop. Ah non, on peut l'écraser, pour être sûr. On peut encore écraser? Non, c'est bon. Bien. Un jeune homme vrai. Ouais. Alors, voyons voir. Par contre, Shiva, elle est un petit peu collante quand elle joue toute seule. Shiva, arrête de me faire chier. Shiva, arrête de me faire chier. Shiva, arrête de me faire chier ou je te colle une balle dans la tête. Shiva, t'es vraiment chiante. En plus, elle... Ah, ça c'est gentil, Shiva. T'es très gentil, comme fille. Ouais, mais moi je sais toujours pas. Toco toco. Non, ça sert à rien. Alors, attendez, que je me souvienne. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah, je crois qu'il faut aller près de ces fenêtres. Ah, voilà. Ah oui, c'est logique. Hein. Moi, ça m'arrive chaque matin. Je préfère sauter par la fenêtre de ma maison. Parce que la porte, c'est pour les tafioles. Wouka wouka, nanka wouka. Waka waka. C'est tous des fans de Beyoncé. Non, c'est Bibi Beyoncé. Oula, oui, mais je dois aller. Oui, c'est bon, j'arrive, chérie. Come in, Kirk. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals, but your orders. Ah, là, il y a un truc à ramasser. Pousse-toi, Shiva. Non. J'imaginais la réponse. Non, on savait pas.
T'es pas tout à fait sûr. À deux, on peut enfoncer cette porte. Bon. Ah. Putain, mais elle pique vraiment tout. Hein. Ah, là, y a de quoi se faire. Putain de pognon. Voilà, 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 voilà. Et comme on n'est pas très en sécurité à l'extérieur, on va aller sous terre, parce que sous terre, c'est toujours mieux. Voilà. Une logique imparable. Les gars, ils ont voulu jouer au pendu. Ça a mal tourné. Allez, Chris. Vite. Ah ouais, on peut se faire aussi des coups de pute entre gars lorsqu'on joue en coop. Vous pouvez tout piquer et ne rien donner à votre pote. Je peux faire le gros bâtard. C'est pas bon stratégiquement parlant, parce qu'après, quand il y a des putains de vagues, tout seul, on s'en sort jamais. Mais ça peut être drôle. On arrive à la fin du premier niveau. Et bientôt à la fin de la vidéo aussi. Allez, on avance, on avance. J'adore ces chaussures là. Pas à Chris, hein, à Shiva. J'ai l'impression que c'est des Santiago. Des Santiago. Des Santiago. Des Santiago. Ah, ouh, ah. Il est où le Pakistanais? Je suis sûr qu'il est là. Non, c'est pas un Pakistanais. You don't know what you're talking about! You can all go to hell! Wait a minute. That's the... People! For what? Il sait, il a envie de se sacrifier pour l'Amérique. Comme tous les militaires le font. Ah bah tiens, il a plus de tête. Ah, il n'utilisait pas beaucoup déjà quand il était en vie, alors mort. Pas sûr que ça sera moitié. Et lui, c'est un putain d'aigle. Putain de sniper. Hop. J'ai l'impression que c'est des fans. Je crois qu'ils vont nous dire bonjour. Ouais, c'est ça. Ils viennent nous faire quelques câlins. Je vais vous montrer un truc qu'on ne connaît pas au départ. Mais voilà. Un casser des fruits, ça vous permet. Casse pas les vitres. Non mais. Elle est un peu conne, Shiva. Il faut attendre qu'ils pètent les vitres. Parce que péter les vitres, ça leur demande de certaines actions. Attends. En attendant, on va récupérer tout ce qu'on peut. Le but du jeu là, c'est vraiment de tout récupérer, tout ce que vous pouvez. Attends. Toi, Shiva. Il n'y a rien en dessous. Même des choses, ça leur fait rien. Chérie, pousse-toi. Bon. Putain de merde. Bon. Là, je serais pas contre pour un petit fusil à pompe. Parce que les pétoirs qu'on a, ça vaut vraiment pas le coup. Je sais plus. Ah si, je sais qu'on peut jouer avec des fusils à pompe et même des armes plus évoluées, mais il faut avoir tous les jeux. Eh ouais. On peut rejouer en New Game Plus. C'est plutôt cool. D'accord. Non. Ah, hop, ça nous fera un truc en moins. Un deuxième truc en moins sur lui. Ah là, ils peuvent plus passer. Ah. Ah merde, est-ce que je peux lui donner... Attendez. Attendez, il faut juste que je lui donne des munitions parce que sinon on est dans la merde. Clavier souris, hop, 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 hop. Poids d'arme, dégainer couteau, attaquer action, action partenaire, V. Non, c'est pas ça. Menu objet, E. Peut-être E. E.
qu'elle a plus de munitions. Hein. Ah merde, merde, merde. C'est bon? C'est bon chéri? C'est encore? Tiens, il y a le Pakistanais qui est de retour. Ah oui, parce que maintenant, il y a le putain de... Non! Oh non! Oh, ce truc dans la gueule que je viens de me prendre. Ah, bon. Par contre, l'IA, elle est très intelligente qu'il s'agit de vous revivre. Ah, attendez. Vite. Utilisez. Vite. Vite. Presque plus de balles. Oui, mais attends, Shiva, on va t'en trouver, t'inquiète pas. Viens là, cours, je sais qu'on va en trouver quelque part. Là, déjà, il y a ça. Hop, oh, ça c'est bienvenu, ça. F. Hop, check. J'espère qu'elle est pas en train de se faire démonter la gueule. Là. Prends ça. Oh putain. Ah ouais. Allez. Non. Je prenne mon plan. Ah, putain, mais elle me tire dessus, là. Ça. Merde. Oui. Non, oh, putain. Je sais plus.
C'était chaud. Bon, on est passé vraiment à ça de la mort. Chapitre 1 complété, c'est un beau succès. Donc on a médaille d'or. Si je me plante pas, c'est bien médaille d'or. Hein. Argent. Alors je sais pas si vous entendez la musique de fond, mais la flûte, mais sur les premières notes. On a l'impression que le gars il vient de découvrir l'instrument. C'est pour donner une impression vraiment afrique, quelque chose comme ça, mais c'est tellement ridicule que je peux pas m'empêcher de rire à chaque fois. C'est tellement. Enfin bon, ce jeu c'est vraiment un bon défouloir et je vous recommande, mais alors fortement, c'est dommage que j'ai pas Vincent Time à côté là pour faire une vidéo avec, mais c'est un jeu mortel quand on joue à deux. C'est un jeu parfait pour du coop, c'est que ça. C'est que pour fait pour du coop. À seul on se fait chier, mais à deux, putain, qu'est-ce qu'on s'éclate, on délire, on fait que des conneries, on dit que de la merde, et puis on s'amuse, on s'éclate. Ouais. J'ai rien d'autre à dire. Achetez-le en version boîte, ça vous coûtera moins cher. Vous activez ensuite le code sur Steam. Parce que sur Steam, alors attendez, ah non, c'est vrai, je peux pas sortir du jeu là comme ça. Quoique, attendez, je vais checker ça sur mon portable. Je vais vous dire tout de suite. De toute façon, vous pouvez aller vérifier vous-même. Hein. Et Villa 5 Steam. Il doit avoir un prix assez exorbitant pour ce qu'il vaut. D'autant plus que c'est pas la version gold, enfin c'est pas la totalité avec tous les DLC, moi ce que j'ai. Allez, semble les prix petits. Donc Biohazard 5, ou Resident Evil 5. Oh putain, date de con. Ah, c'est le système de sécurité pour vérifier quel âge tu as. C'est beau. Ah mais je suis con en fait. Oui, là je suis sur Steam, là sur le PC. Enfin bon, le jeu coûte 19,99€, donc 20€. Ouais, il n'y a pas photo. Hein. Moi, je l'ai eu en boîte pour 10€. Donc, de moitié prix, 50%. Et en plus, c'était pas force. C'était même pas une réduction, c'était le prix normal. Donc, et puis, vous avez l'édition Gold à 30€. Le jeu, il est quand même sorti en 2009. Même pas, je croyais 2011. 2009, les gars. Ça veut dire plus de 6 ans. Et coûte toujours 30€ le truc. C'est pas croyable. C'est vraiment pas croyable. Ouais. Enfin bon, bref, j'ai rien d'autre à dire. Ça je le dis toujours et puis ça finit toujours avec des monologues de 50 minutes. Likez la vidéo, favori, abonnez-vous, regardez toutes les autres vidéos qui vont tomber. Ça vous permettra de savoir. Toutes les nouveautés dans le monde du gaming. Non, je déconne. Je suis toujours à la bourre. Et ben voilà. C'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi,